Parce que si j'acte, je ne fais pas preuve de sûreté. Si tu actes, tu ne fais pas preuve de sûreté. Être sûr, ce n'est pas acter pour toi. Être sûr, c'est te retrancher. Parce que tu es dans ton château, sur la tour, et que tu peux voir les ennemis et tout ce qui se passe aux alentours dans ton royaume. Et que si tu acceptes d'aller sur le terrain, tu ne vas plus être aussi clair. Tu ne vas plus être aussi distancié par rapport à ton émotionnel. Tu ne vas plus être aussi distancié par rapport à ce qui te traverse. Tu vas devoir acter avec l'émotionnel. Tu vas devoir acter avec la colère. Tu vas devoir acter avec la joie. Et en fait, tu as peur de qui a l'autorité? Est-ce que c'est toi qui dirige? Ou est-ce que c'est la multidimensionnalité de ton être avec les émotions, les pensées qui dirigent? Et tu as peur de perdre le contrôle. Voilà pourquoi tu as peur d'acter. Je viens de débusquer la part qui se cachait derrière tout ce manège que tu me présentais. T'as peur de perdre le contrôle. La notion de contrôle, elle est précieuse chez toi. On va aller voir ce que c'est parce que ça va être utile pour le groupe. Ta notion de contrôle, elle vient te tirer une balle dans la tête. J'ai envie de dire, ta notion de contrôle, elle est là pour te dire lâche ce qui est précieux pour toi. La notion de contrôle ne veut pas te faire du bien. L'action ne sera jamais contrôlée. Rien ne sera jamais contrôlé. Ni quelle va être ta pensée dans 10 minutes, ni qu'est-ce que tu vas vouloir faire dans 3 quarts d'heure, ni quelle personne va te contacter dans 3 jours. Tu vois dans ta liberté des réponses à un emprisonnement. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe dans ton environnement et ça te fait chier. Et pour toi, revenir juste à toi. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Ta quête d'absolu. Ça vient court-circuiter ta toute-puissance. T'as pas envie de lâcher la toute-puissance que tu penses avoir. Au niveau de l'esprit, tu es toute-puissante. Sauf que toi, t'essayes de ramener cette toute-puissance dans la matière. Et voilà pourquoi ça bloque, et voilà pourquoi t'es frustré réellement. Et voilà pourquoi tu veux pas acter.